ce cancer m'a réveillée. Une chose est sûre, le soutien et l'amour que Florent Pagny reçoit de la part de ses fans lui est précieux pour poursuivre sereinement son combat contre la maladie, qu'il compte bien remporter. Dans l'interview exclusive qu'il avait accordée à Gala en mai dernier, l'artiste de 60 ans avait avoué avoir été dérouté par la vague de réconfort qu'il a reçue à la suite de sa triste annonce. Tu as reçu énormément de soutien. Ça t'a surpris, ému, lui avait demandé Nikos Aliagas, qui conduisait l'entretien. Ça m'a étonné, surpris et même déstabilisé, moi qui aime toujours contrôler les situations, avait admis Florent Pagny dans un premier temps. Avant de poursuivre, imagine, Nikos, que mon numéro de téléphone est le même depuis 35 ans. Toute ma vie est remontée d'un coup avec tous ses soutiens, ses appels, ses messages. Le père d'un KAL s'était également confié sur les effets de son traitement et son ressenti. Les dernières nouvelles que j'aille de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce que la tumeur a bien rétréci, de la taille d'un bon kiwi. Je suis passé à une noisette après deux chignos, s'était-il réjoui. Maintenant, je sors du tunnel. J'ai quelques réponses qui me permettent de mieux évaluer la situation et ça ravive en moi certaines choses que j'ai un peu perdues, arrivé à mon âge. Ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités, avait-il conclu, forcément ému.